oui, oui. Oui, oui. C'est toi qui conduis. Oui, vas-y, oui, oui. Oui, oui. Au pays des jouets. Le pinceau magique. Alors tu es prêt, Zim? Encore plus loin, tu vas voir. Bravo, tu l'as bien attrapé. Je parie que tu n'y arriveras pas cette fois-ci. Tu es drôlement fort, Zim. Même quand la fleur orange l'a renvoyée, tu ne t'es pas laissé avoir. Allez, viens, Zim. Potiron nous attend pour le goûter. Tu veux jouer encore un peu? Oh bon, d'accord. Mais je te le lance une dernière fois, entendu? Attention, on va chercher. Ma voiture. Oh non, mon pauvre petit taxi, et ça ne s'en va pas. C'est Whis qui saurait arranger ça, en voiture. Bonjour, oui, oui. Bonjour, Lindy. Est-ce que Whis est là? J'ai raflé la portière de ma voiture, il faudrait arranger ça. Whis n'est pas au garage. Aujourd'hui, c'est moi qui le remplace. Ah bon, c'est vrai? Alors, voyons un peu ce qui ne va pas. Un petit coup de peinture jaune et ta voiture aura l'air toute neuve. Ça ne doit pas être très facile de retrouver quelque chose par ici. Oui, je suis en train de faire un grand rangement. Il faut juste que je retrouve où j'ai mis les objets jaunes. De la belle peinture jaune. Et voilà le travail. Lindy! Oh, désolée, je ne comprends pas comment cette peinture bleue s'est retrouvée dans les objets jaunes. Ne t'inquiète pas, celle-ci va tout arranger. Oh non! Oh, Lindy, et c'est celle-là! Elle est vide. Et tu n'en as pas une autre? Si, je pourrais t'en commander une. Elle sera livrée la semaine prochaine. On ne peut pas laisser ma voiture comme ça pendant une semaine. Et si j'essayais avec... Tu veux dire utiliser tes pouvoirs? Oh non, Lindy, on n'a pas le droit. Whis n'aimerait pas que tu fasses de la magie pour réparer des choses. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aller voir Potiron pour lui demander de nous aider. Bonjour, mon petit oui-oui. J'ai commandé de bonnes petites brioches. Oh, je n'ai pas le temps de goûter maintenant, Potiron. Regarde un peu ma voiture. Oh, ça alors, pauvre voiture. Il me faudrait un peu de peinture jaune pour arranger cette éraflure. Est-ce que tu aurais ça, Potiron? Voyons, un petit peu de peinture jaune, tu dis? En fait, je conserve au fond de mes poches toutes sortes de choses qui pourraient servir. J'ai peut-être... Et ça ne marche pas toujours. Merci beaucoup, Zim. Cette fois, j'ai bien failli perdre mon bon vieux pinceau magique. C'est un vrai pinceau magique? Mais bien sûr. Oh, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Il ne nous manque plus qu'une belle formule magique pour le faire fonctionner. Oh, pinceau magique, grand maître des couleurs, toi dont l'arc-en-ciel orne toute la nature, pour oui-oui et pour moi, restitue en douceur son jaune éclatant à son ami voiture. Waouh! Waouh! Oh, merci!
Et ça sera bien que du jaune, n'est-ce pas, Potiron? Mais bien sûr, ce bon vieux pinceau magique ne m'a jamais laissé tomber. Alors si le pinceau magique est bien prêt, es-tu prête, ma petite voiture? Ouais, ça a marché. Ça va, si m'arrête. Alors, que dirais-tu d'un bon petit goûter maintenant? Très bonne idée. Mais il reste encore un peu de couleur. Il n'y aurait pas quelque chose à peindre par ici? On fera un tour en voiture? Avec plaisir. Une autre petite brioche. Oh, ma voiture! Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, regarde toutes ces taches! Le pinceau magique est devenu fou! Vite, en voiture, Zim! Nous devons le retrouver avant qu'il ne fasse d'autres bêtises! Il faut retrouver la trace de ce vilain pinceau! Oh, la maison de Monsieur le gendarme. Oh. Oh, Monsieur Culbuto, vous n'auriez pas vu un pinceau un peu fou? Oh, désolé, oui, je n'ai pas le temps. Il faut que je trouve Monsieur le gendarme. On a recouvert tous mes pots de confiture de taches vertes et bleues. Oh, je vous en prie. Oh, mais qu'est-ce que... Oui, oui, il se passe des choses très très bizarres par ici. Je le sais bien, Mirou. Potiron m'a donné un pinceau magique, mais ce pinceau ne fait que des bêtises. Tu as vu l'horloge de l'hôtel de ville? Et vous avez vu dans quel état sont mes enfants? Savez-vous vers où est parti ce pinceau? Il faut absolument essayer de le rattraper. Qu'est-ce qui ne va pas par ici, hein? C'est mon pinceau magique qui n'arrête pas de faire des bêtises, monsieur le gendarme. Ah, vraiment? Envoyez-vous ça. C'est sûrement pas aussi drôle que les gros pois qui ont recouvert ma façade. Alors peindre des gros pois, c'est une chose, mais changer la couleur des feux pour que l'on ne sache plus s'il faut s'arrêter ou traverser, ça, ce n'est pas drôle du tout. Le voilà. Arrêtez, pinceau. Vous serez passé si vous pensez. Arrêtez au nom de la loi. Laissez, monsieur le gendarme. C'est à cause de moi si ce pinceau est en liberté. C'est à moi de le rattraper. Là, le voilà. Il va vers le garage de Whis. Où est-il passé? Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'en ai vraiment assez de tous tes vilains tours. Allez, petite voiture. Potiron, ton pinceau magique est devenu fou et il barbouille tout en ville. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai utilisé le meilleur de ma magie pourtant. Et y a-t-il un moyen de l'arrêter? Pas la moindre idée. Mais attendez, on va chercher dans mes vieux livres de magie. Va chercher? Mais bien sûr, c'est ça l'idée. Alors tu es prêt, mon petit Zim? Va chercher! Vas-y, mon Zim, attrape-le! Allez, Zim, vas-y! Bravo, Zim, attrape-le! Allez, Zim, vas-y! Saute, Zim, saute, saute! Ah oui! Zim, viens vite ici! Tu peux rebondir ici, mon chien! Oh, bravo à toi, cher Oui-Oui, et à toi, mon petit Zim. Espérons que nous n'aurons plus d'ennuis avec cette espèce de pinceau barbouilleur. Potiron, est-ce que tu auras une formule magique pour redonner ses couleurs normales à notre ville? Et pourquoi faire de la magie?
On pourrait prendre des pinceaux normaux et repeindre Miniville tous ensemble. On s'amuserait bien. Et moi, je préparerais un grand pique-nique. Oui. Attention, mon Zim, c'est pour toi si tu l'attrapes. Va chercher. Oups. Miaou.